recherche de mon tatouage, j'ai checké plusieurs conventions pour chercher les meilleures en fait dans le style que je voulais. Je savais que je voulais du Patou Tiki Black Polynesian et Patou il a gagné énormément de prix dans ce style là et je me suis dit il faut que je me fasse tatouer par lui. Et quand j'ai été à le rencontrer à son shop et je lui ai demandé pratiquement un full body, il m'a dit attends, assieds-toi, on a quelque chose pour toi, il faudrait que tu nous représentes. Il cherchait une égérie en fait et il m'a proposé de me tatouer seulement si j'allais à l'élection de Miss Tataou. Et c'était le début d'une super aventure. Oui, Arnie et moi, on se connaît de Tahiti, parce qu'on a des connaissances communes, donc c'est comme ça, on s'est rencontrés plusieurs fois. Et puis, je connais très bien la petite sœur de Poerani, Kali, parce qu'elle s'entraîne dans ma salle à Tahiti. Donc je sais que c'est des filles qui sont pas mal engagées sur les sports de combat et tout, qui aiment bien. Même si elles font ça de manière non professionnelle, mais elles c'est quelque chose, je pense, qui les aide dans leur vie de tous les jours, quoi. Elles s'appuient sur le sport pour pas mal de choses, quoi. Voilà. Poerani, je sais qu'elle a son échéance aussi, Miss Tataou. Donc c'est cool de pouvoir échanger avec quelqu'un du Fénois qui en fait aussi a des objectifs et des échéances importantes, quoi. T'as commencé, t'avais pas du tout de tatouage. Contrairement à Poerani, j'ai commencé à me faire tatouer quand j'avais 19 ans. Et en fait, pour moi, ça a été un tatouage, deux tatouages, voilà, sur plusieurs années. Le tatouage aussi, c'est quand même quelque chose qui est très viril et masculin. Oui, tu vois, le combat comme le tatouage. Et souvent, quand on pense à Aito, on pense à l'homme, quoi. Ouais. Bon, on n'a pas le même nombre de séances, hein, mais non, on a le même tatoueur, ouais, pas tout. Cool. Super. Mon tatouage signifie, en tahitien, ça veut dire la lignée des guerriers. Et c'est pour ça que j'ai une structure en armure. C'est comme un arbre généalogique où chaque jambe, par exemple, est une lignée. Une de la lignée de mon père et l'autre jambe, la lignée de ma mère. Ensuite, j'ai les profils de ma fille sur les épaules. Ça s'appelle Tikiran. Et j'ai deux tiki en fait sur chaque épaule. Je suis Jérôme Lévy, galeriste et producteur de Miss Tattoo France depuis 2017. On va faire la cérémonie là, après. Oui, d'accord, ok. Elles auront le temps. Bonjour. C'est la quatrième édition, donc 455 préinscriptions, 82 demi-finalistes et finalement à l'arrivée 12 finalistes qui sont ici aujourd'hui présentes à ma galerie d'art. En Vallée de Chevreuse, ça reste avant tout un concours de beauté tatouée et donc on est plus sur la photogénie. Il n'y a pas de critère de taille, il n'y a pas de critère de poids, il n'y a pas de critère de situation maritale. Moi j'ai toujours été sensible à l'art et j'ai découvert le tatouage dans la culture polynésienne quand je suis arrivé en Polynésie en l'an 2000. Le hasard a fait que j'ai été amené à participer à l'organisation d'un événement de tatouage qui s'appelait à l'époque Tatounésia, qu'on a démarré à Montréal, grand événement. Et puis on a fait la deuxième édition à Tahiti et dans le cadre de cette deuxième édition, on avait fait une élection Miss et Mister Tattoo Polynésie et donc c'est de là qu'est né le projet de faire ensuite, quelques années plus tard, Miss Tattoo France ici en métropole. Il y a beaucoup de lobbies qui ne veulent pas qu'on promouvoie le tatouage. Il y a beaucoup de lobbies qui ne veulent pas que leurs enfants se tatouent, etc. Donc on a pas mal de blocages sur tous les médias partout. Donc on se bat depuis des années. Parce qu'en France, ça n'a rien à voir avec la Polynésie. Parce qu'en Polynésie, c'est dans la culture. Allez, bienvenue à la quatrième édition de Miss Tattoo France. En tout cas, aujourd'hui, c'est la cérémonie de remise des écharpes avec la présence aujourd'hui avec l'équipe de Jim Winter et tous les photographes qui sont présents pour la journée photo et vidéo. Et avant tout un événement pour les passionnés de tatouage. Voilà, je voudrais aussi remercier que pour la première fois on a une Polynésienne. Je sais que la Polynésie suit la candidate polynésienne, mais j'espère que toutes les régions vont suivre les candidates ici présentes. Et puis on va vous remettre maintenant vos écharpes.
Deuxième. Miss Tatou Polynésie, Oerani. Alors là, je suis ravi puisque moi qui a initié un peu ce projet en Polynésie, qu'on ait pour cette quatrième édition une Polynésienne, qui du reste avait été elle-même élue Miss Tatao en Polynésie. Donc c'est aussi pour nous la première fois qu'il y a une présélection, on va dire, territoriale sur un autre territoire ou une autre région. Et donc on a cette année une Polynésienne. Les autres années, on a toujours eu des représentants d'autres territoires d'outre-mer, mais c'est pour nous, cette année, c'est la première année qu'on a une Polynésienne. Un smile, la présence. Merci. Enfin, en tout cas, on lui souhaite bonne chance. Et puis on souhaite bonne chance surtout aux 12 finalistes. Donc moi j'ai l'écharpe de Miss Tatou Polynésie. Après Miss Tatao, maintenant c'est Miss Tatou Polynésie pour l'élection Miss Tatou France. Miss Tatou ! Tu vas faire ouais, ça. Quoi. D'accord. Et tu fais ça deux fois. Okay. Et une fois de l'autre aussi. Je suis Poerava Bra. Je suis la petite sœur de la Miss Tatao Guerani Terminotoa. Je vis à Paris depuis 16-17 ans. Je suis attachée de presse et j'ai également créé la marque Vanira qui propose de la vanille de Tahiti haut de gamme aux particuliers en France métropolitaine. J'ai été adoptée, je suis la troisième de la fratrie. Donc Poerani est l'aînée, ensuite il y a Shelby que tous les Polynésiens connaissent. Et ensuite il y a moi, et j'ai été adoptée à l'âge de 8 mois par la sœur de mon père biologique. Et j'ai vécu à Reatea jusqu'à mes 17 ans avec eux et son mari qui est un Français. Et nous avons migré à Paris en décembre 2004. Pour non seulement mes études, parce que je devais forcément faire des études en France. Et voilà. Mais j'ai toujours gardé contact avec ma famille biologique, étant donné que mon père biologique et ma mère adoptive, son frère et soeur, c'était beaucoup plus facile. On se voyait quand on était petite, mais ça n'a jamais été... On était sœurs, c'est sûr, mais... On n'a jamais eu l'opportunité de passer autant de temps que l'on fait maintenant, là, depuis qu'il y a son élection. Donc on passe pratiquement H24 ensemble, et c'est super. C'est super. Je savais à peu près comment elle était. On est complètement différentes, mais voilà, on est sœurs et c'est le plus important et on s'entend très bien. Elle m'entraîne dans le sport, je ne suis pas du tout sportive. J'ai jamais aimé ça. Donc, étant donné qu'elle se prépare pour son élection de Miss Tatou France, elle se doit d'être en forme et d'avoir toujours son beau corps. Et donc, pour moi, c'est un peu une chance parce qu'elle me donne des conseils et puis elle me motive pour faire du sport, pour mieux manger parce que je suis très très gourmande. La petite serviette, et c'est parti! On va se mettre en tenue de combat. Bonjour Miss. Bonjour. Oh, vous êtes
Magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne journée. Meilleur à vous. Au revoir. Ici, il y a tellement de choses à voir et je fais des rencontres tous les jours. Il y a toujours du nouveau chaque jour. Ah ben Paris, Paris c'est royal là. La Polynésie française, mesdames et messieurs, la Polynésie fait une fois et demie la taille de l'Europe. Le village polynésien propose des artisans, voilà, des artisans, des tatoueurs, la restauration polynésienne. On n'aurait pas pu faire cet événement sans la présence effectivement de notre Miss Tato 2019 qui est en train d'arriver. Rani, encore un grand merci à TKVA et puis à Tahiti Nui La Rochelle justement d'avoir fait venir cette icône du tatou polynésien. Nous avons une invitée d'honneur qui est Poerani. Et donc elle nous a fait l'honneur de venir ce week-end et ça nous a fait vraiment chaud au cœur et puis on la soutient vraiment et puis au mois d'octobre on est derrière elle. Nous avons un tatoueur qui est très connu en métropole, hein, qui s'appelle Tini Hao. Son nom tatoueur, c'est Patutiki Inka. Je suis assez content d'avoir trouvé ma vocation aujourd'hui, partager ma culture. Puis, il est organisateur du Fabulous Tiki, de convention de tatouage polynésien sur Paris. Voilà. Pour l'année, je l'ai rencontré grâce au cousin Patou. Oui, je suis un peu arrivé. C'est super cool, j'ai super adoré cette meuf-là, et comme ça quoi, tu vois. Et aujourd'hui, maintenant, elle est ici en Europe, et ben c'est cool, ouais, de la suivre, de la soutenir aussi. Et j'ai été très enchanté de la rencontrer en tout cas. On a beaucoup de chance de la voir pour Erani, parce qu'elle est très sollicitée depuis son arrivée. Et donc elle m'a répondu favorablement. Donc je suis très contente qu'elle soit là. Monsieur Miss Tato 2019, dans la journée, en tout état d'être venu, d'avoir bravé le vent, la tempête. Ah, il va y avoir une séance de dédicace aussi également. Et on a cette chance d'avoir justement Poerani qui va nous honorer de sa présence pendant tout le week-end. Voilà, la journée, encore une fois. Et pour ceux qui le souhaitent, vous allez pouvoir prendre des photos avec Miss Tato. Et pourquoi pas vous faire dédicacer aussi, je sais pas, vos photos, pourquoi pas. C'est vraiment sympa. Voilà ma chérie, c'est pour toi. Tu dis merci. Merci. Au revoir. Le week-end polynésien du 7 et le 8 août, nous sommes en collaboration avec les forains de La Rochelle. Voilà, d'ailleurs, je les remercie énormément de nous avoir fait venir ici sur La Rochelle, enfin, sur le port des Minimes, le port des Plaisances qui est voilà, derrière moi. Le village qui se trouve là. C'est un échange, voilà, ils ont voulu un village polynésien pour faire découvrir aux touristes. Et puis aussi parce qu'ils adorent. Ça garde des corps comme ça. À partir de maintenant, ça sera comme d'habitude. Bon après-midi. Merci. Un bon feeling, vraiment un échange qui se fait, des liens surtout. Encore de la vanille. Pardon. Voilà, Kimi a eu la gentillesse de me tatouer et ça a été un véritable honneur. Qui m'a tatouée durant le festival de La Rochelle. C'était une,
étape très importante pour moi. J'avais besoin de la transcrire sur ma peau. Ouais, c'était par rapport en fait à son renouveau. Elle avait une vie passée où elle avait envie en fait de vraiment pas oublier, mais d'aller en avant en tout cas dans ce qu'elle était, ce qu'elle entreprenait en tout cas de devenir. Donc je l'ai aidé à marquer cette histoire-là, qui était sa renaissance à elle un petit peu, avec des protections, du manamana, par des piliers ou le bas du tatou, si je me souviens bien, c'était son racine, ça y est, notre peuple, hein, où j'ai représenté ça par un tiki, qui est quand même un tiar amou, comme on dit, hein, un valeur sûre de chez nous, hein, on sait du moins d'où on vient. Et après, t'as mené au copain un tiki pour cette protection-là. Mais entre les deux tikis, j'ai posé, c'est cette vie qu'elle a passée où ça a été dur. Et du coup, je lui ai posé cette signification qu'elle-même l'a demandé, de cette renaissance, ce renouveau, cette force, ce courage pour elle d'avancer dans ce futur pour elle, et que de se servir de ce passé-là pour son Dieu, qui l'a endurci, qui l'a amené à devenir, à s'épanouir en tout cas aujourd'hui. Hein. Je n'ai seulement marqué que ce qu'elle était elle en fait. Hein. Je ne peux pas non plus inventer une vie pour elle, c'est juste marquer ce qu'elle m'a demandé. Et si je me rappelle bien, je crois, c'est ça, c'est ce renouveau, cette renaissance. Comme une renaissance pour elle en tout cas. Hein. On sait des motifs polynésiens, c'est très important de se faire tatouer par des Tahitiens qui connaissent la culture et voilà. Quoi de mieux que d'être tatoué par son cousin éloigné. Le tatouage polynésien, c'est avant tout au départ, hein, quand traditionnellement, hein, tu te faisais tatouer en fonction de ton rang dans la société, en fonction de ta famille, et puis tu choisissais pas n'importe quel signe, n'importe quelle signification, et encore moins n'importe quel endroit sur ton corps pour te faire tatouer. C'est vraiment, normalement c'est très précis et c'est sérieux quoi. Hein, c'est... Maintenant aujourd'hui c'est sûr, on vit, ça a évolué, on vit dans une autre société, on a perdu énormément au niveau de la signification du tatouage polynésien, de ce que c'était à la base, à l'origine quoi. Où c'est vraiment des rites de passage dans ta vie, où ça représente vraiment quelque chose à des moments clés de ta vie quoi. En tout cas quand on essaye de faire du vrai tatouage polynésien, on vit avec la modernité et la tradition quoi. On essaye d'allier les deux quoi. Je rappelle bien que ce n'est pas un concours de tatouage, hein, donc c'est aussi une question de motivation, de personnalité, de charisme. Évidemment, le tatouage est un élément important. C'est uniquement un jury qui va définir qui sont les gagnantes. Cette année, notre président du jury, c'est Djibril Cissé. Un homme très tatoué, en plus d'autant plus sensible à cet événement qui participe à promouvoir d'autres formes de beauté et en tout cas toute la diversité qu'on peut avoir en France au travers de ces candidates souvent très tatouées. Dernière. C'est bien quand même. Là, elle participe toute la journée à une série de shootings, photos et vidéos et entre autres une série qu'on a initiée il y a 2 ans qui s'appelle Parole de tatoué, qui est une série de courts-métrages. Le principe, c'est un tatouage, 1 minute. La journée, déjà, on est là pour faire un shooting photo. Il y aura aussi une partie en vidéo où on va raconter l'histoire de notre tatouage. L'élection Miss Tattoo France se passe en 2 phases. Aujourd'hui, c'est la première journée et l'élection va se passer le 7 octobre. Et moi, je vais rester jusqu'au 31 octobre. Parce que je suis là aussi pour une formation en dermo-esthétique. Hey. Alors, ici, on est à Rochefort. Okay. C'est l'association Tahiti Nui La Rochelle, d'accord, qui organise ce festival chaque année. Nous allons recevoir une trentaine d'exposants, des tatoueurs également. Voilà, il y a une grande scène, il y a des artistes qui vont passer, il y a des animations. Et notamment, Puerani va défiler. Voilà, elle va pouvoir défiler et montrer au public présent, en tout cas, le tatouage. Je vous demande d'applaudir bien fort, s'il vous plaît, pour Puerani, mesdemoiselles, mesdames, messieurs.
Oui, comment tu vas? Là, je suis venue avec l'écharpe de Miss Tatou Polynésie pour le concours de Miss Tatou France où j'ai été sollicitée. Le tatou chez nous, c'est le tatouage. Hein. C'est tellement beau ce qu'elle a. Et en tout cas, elle présente la Polynésie, tout simplement. C'est ses tatouages, c'est la Polynésie. Alors là, je ne suis pas venue ici juste pour faire ma belle, hein, mais réellement pour représenter les valeurs du tatouage polynésien. On peut être fier de Poerani, au-delà de son humilité, de sa gentillesse. Effectivement, hein, aujourd'hui, elle aurait pu être très bien à la plage, sur un yacht, parce qu'elle est vraiment très, elle est ravissante. Elle aurait pu effectivement faire sa belle ou sa diva, mais pas du tout. Ça va faire bon nombre d'années en fait qu'elle n'était pas venue à la rencontre de la communauté polynésienne en France. Et c'est exactement ce qu'elle fait maintenant depuis quelques mois. Et quand tu connais du coup l'histoire de tout son tatouage, qui est une armure, elle le dit, hein, c'est une armure, ça ne peut qu'être qu'une fierté. Et puis surtout, faire comprendre voilà, aux gens comment on en arrive là, se faire tatouer. C'est vraiment un art, c'est magnifique, c'est gigantesque, c'est super quoi. Aujourd'hui, le tatoueur n'est pas considéré comme un artiste. Mais enfin, je veux dire, réveillez-vous quoi. Regardez, ce sont des toiles humaines qui font. C'est juste énormissime. Moi je viens de l'île de Raiatea. Raiatea en fait c'est l'île sacrée en Polynésie. Où se produisaient en fait toutes les cérémonies culturelles, notamment sur le Maratapu-Tapu-Atea. C'est notre temple à ciel ouvert en fait en Polynésie. Et surtout, il y a du sens. Chaque symbole a une signification. En fait, le Ipuaki, c'est le dieu protecteur des âmes. À l'époque, le tatouage était considéré un peu comme notre pièce d'identité parce qu'on fonctionnait par clan. Avant l'arrivée justement des Anglais qui ont mis les armes dans les mains des Polynésiens. Enfin, j'ai fait une énorme performance en tatouage, c'est-à-dire que je suis à 230 heures de tatouage et j'ai fait 142 heures en presque 3 mois. Alors en termes de tatouage, ceux qui se sont déjà fait piquer, c'est énorme. Voilà. Merci. J'espère qu'elle va remporter cette élection. En tout cas, on est là pour la soutenir, mais jusqu'au bout. Voilà. J'ai l'opportunité d'avoir un petit stand durant le festival polynésien de La Rochelle et de Rochefort. Et comme ça m'a permis en fait d'être en contact direct avec des clients. Et parce que en fait je vendais ma vanille principalement sur internet. Comment il s'appelle? Athènes. C'est la mascotte du stand. Lui il est le plus heureux, hein. Il a plein de nounous ici, hein. Ne choque pas. Ne choque pas. C'est pas comme ton frère. Tu vas prendre. Allez, c'est parti pour un petit slow. Et Bilbao et Biganos, la région de la Aquitaine. On vous laisse tranquille, on vous laisse faire. Ouais, c'est diplomatique. Et dans ma vie, il m'arrive qu'on me demande si je suis heureux de la vie que je mène avec toi. Il y a vraiment une harmonie d'échange, de partage, de découverte et d'amitié aussi. J'adore vraiment cet échange, des échanges avec l'autre. En métropole, voilà, il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'organisateurs aussi, de Polynésiens qui véhiculent notre culture. Je crois qu'on en fait 57 dans l'année, des festivals polynésiens. Alors il s'avère quand même qu'il y a plus d'une centaine d'associations, hein, et ils ont poussé comme des champignons polynésiens en France.
Alors il y en a qui sont plus axés sur le vin, il y en a qui sont plus axés sur le Holy Tahiti, beaucoup sur le Holy Tahiti. Il y a des associations aussi qui sont axées sur la partie Fahamu, adoptif, les enfants adoptés. Le festival polynésien aujourd'hui commence à prendre bien de l'ampleur. C'était le démarrage depuis les 20 dernières années où les premiers gars qui ont créé ça, c'est celui de Kevin avec Cola qui avait commencé à faire ce genre de manifestation-là polynésienne hein, sur la France. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, notre culture et la culture maori, la culture polynésienne, mais dans son ensemble, dans son intégralité, elle est tellement riche et tellement vaste qu'effectivement, on pourrait faire en sorte de nourrir bon nombre de personnes, clairement. Je pense que là, aujourd'hui, il ne faut pas être hypocrite. Quand on voit ce type de festival, en tout cas, certaines personnes sont là aussi pour faire du business. Mais ce qui est intéressant, c'est que durant ces 3 jours, on est dans la transmission. On est dans la transmission. On explique. Il y a beaucoup plus de festivals qu'à l'époque. Quoi. Avant, 10 festivals. Maintenant, 57 par année. C'est cool, quoi. Ça veut dire que ça grimpe. Enfin, la culture se propage. Allez, nous allons lancer le concours du meilleur danseur, de la meilleure danseuse. Les règles vont être très simples. Il n'y a pas spécialement de catégorie d'âge. Okay. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a la catégorie tarané et la catégorie variné. Ça va aller très bien. Maximum de bruit pour la catégorie garçon. Une chose, c'était super marrant avec les garçons. Il y a eu un peu de sapaul dans le Holy Tahiti. On est d'accord, hein? C'est pas un peu. Il y a eu beaucoup. Pourquoi la force de ces événements? Quand on a un parterre de personnes qui sont là en train de danser le Holy Tahiti, pourquoi quand on a un parterre de personnes qui viennent pour se faire tatouer? C'est ça qui est important de comprendre. Nous allons appeler les garçons, tiens, mettez-moi là, un petit peu derrière. C'est Jérôme, je suis l'organisateur du Girling Tattoo Show qui se tient tous les ans à Ozoir-la-Ferrière en Seine-et-Marne. Cette année, c'est la 7e édition. On a fait la première en 2015 et on a déjà les dates pour l'année prochaine, donc c'est la 7e et il y aura la 8e, c'est certain. Ça va très bien. Écoute, là c'est la première journée en fait de l'événement de Girl Ink Show. Alors cet événement-là se passe essentiellement autour de tatoueuses. Cet événement ne réunit que des tatoueuses, pas de tatoueurs. C'est un événement qui est réservé aux artistes féminines. Elles sont énormément sur place, elles sont quand même 40 exposantes, c'est énorme. Thank you.
suis ravie de rencontrer toutes les tatoueuses de toutes régions confondues. Recevoir Miss Tato chez nous, c'est un vrai plaisir. C'est juste magique parce que il y a énormément de personnes qui viennent se faire tatouer par les différents motifs, hein, du tout mignon au plus raffiné, c'est magnifique. Elle reste avec nous tout le week-end. Aujourd'hui, elle fait deux présentations sur scène. Elle explique l'origine de ses tatouages et le sens, la symbolique autour de tout ça. Je te laisse prendre la pause éventuellement pour nos photographes, pour Irani. Nous avons la chance en fait d'avoir différents photographes, d'ailleurs qui m'ont déjà contacté hein, pour faire quelques shootings photos que je vais caler. Avant ou après l'élection le 7 octobre, parce que c'est très bientôt et mon planning est assez rush jusqu'à l'élection, c'est-à-dire qu'on va bientôt commencer les répétitions. Est-ce que tu veux bien nous faire partager, je veux dire, comment dire, ce chef-d'œuvre, si tu m'autorises ce mot, le chef-d'œuvre qui a été réalisé sur ton corps, que tu nous donnes plus de détails et aussi que tu nous expliques pourquoi tu es là en France pour nous donner envie de te soutenir et que tu nous dises un petit plus sur ta culture, si tu veux bien. Avec grand plaisir. Tout d'abord, Yorana tout le monde, tout simplement, qui veut dire bonjour en polynésien. Je suis invitée d'honneur, en fait, à participer, à faire une représentation et la promotion de Miss Tattoo France. L'élection va se passer le 7 octobre au César, à Paris même. L'élection Miss Tattoo France, et j'espère vous voir pour pouvoir nous soutenir. C'est vrai qu'il n'y a pas de tatoueuse polynésienne, mais de toute façon, des tatoueuses polynésiennes, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en aura de plus en plus. Bien. Moi, mon style de tatouage, en fait, c'est du Patutiki Black Polynesian. J'ai aussi deux motifs en cerf sur mes fesses. Je ne suis pas seulement l'ambassadrice du tatouage polynésien parce que ce que je porte, c'est beau. C'est aussi parce que j'ai fait une performance au tatouage. Dernièrement, avant de venir, j'ai fait une session de tatouage à six tatoueurs en simultané en 6 heures. Oh la vache! On va la refaire au ralenti. Donc ça a pris combien de temps, les 6 tatoueurs en même temps? Pendant 6 heures. Donc celles et ceux qui sont déjà fait tatouer, vous avez toutes un seuil de résistance à la douleur, voilà. Vous imaginez ce que ça peut faire. Il y a cette démarche spirituelle. Et il faut vraiment insister là-dessus. Et je pense que toutes celles et ceux qui se font tatouer, c'est comme tu l'as dit, c'est une légende personnelle. Le tatouage en Polynésie, en fait, était très important parce que ça pouvait signifier de quelle tribu on pouvait venir, de quel clan. On la retrouvera tout à l'heure. Vous pouvez également faire des photos. Est-ce que ça ne te dérange pas de faire des photos avec nos amis? Je suis là pour ça. Donc n'hésitez pas, j'aimerais qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît, Poerani. On la retrouvera au moment du contrôle tatou. Je vais faire des photos avec Poerani. Et merci de ta présence. Merci aussi pour cette chaleur que tu dégages, parce que tu nous fais voyager déjà par ta personnalité et par ces chefs-d'œuvre que tu as sur ton corps. Comme je disais à Poerani, on ne connaissait pas l'élection Miss Tattoo. Et donc ça fait 4 ans, elle m'expliquait, ça fait 4 ans que ça existe, cette élection Miss Tattoo. Et donc c'est grâce à ces personnalités-là qui font découvrir le tatouage. Et bien voilà, elle exporte. Pour moi, elle va exporter le tatouage polynésien à travers elle, à travers sa notoriété en métropole. Et ça, elle est en train de le faire depuis qu'elle est arrivée, à travers les événements et partout où elle ira. Et ça, c'est magnifique. Donc c'est très bien de promouvoir le tatouage. Ok, super. Merci à toi. Pour nous, pour les tatouages polynésiens, c'est vraiment un symbole, quoi. Donc voilà, pour Irani, c'est... En tant qu'ambassadrice du tatouage polynésien, mon rôle est de faire la promotion du tatouage. Il a fallu que des personnalités viennent de Polynésie, hein, voilà, comme pour Irani. Je voudrais juste dire merci à tous les Polynésiens, à tous les Fénois de me soutenir dans cette superbe aventure. Je vais faire de mon mieux pour emmener notre tatouage aussi loin que je peux.